Salut tout le monde. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit challenge que j'avais jamais filmé, que j'avais mis en vidéo. Donc c'est ça, j'ai décidé de faire un challenge de 100 Mephistorum avec ma sorcière. Je suis niveau 93, donc 516 de Magic Find. Mes items sont relativement assez fort. Ce que je voulais voir, c'est que si ça valait la peine de faire autant de Mephistorun pour en venir au bout de son run, combien d'objets qu'on a réussi à trouver, puis est-ce que le fait d'avoir un bon MF influe sur le loot? Donc, c'est ça. Voici qu'est-ce que j'ai pu trouver un peu durant mes runs. Ce que vous voyez, c'est quelques belles drops, mais je vous garde quand même une petite surprise. J'en ai trouvé beaucoup plus que ça. Donc voici ce que j'ai aujourd'hui. Donc pour vous montrer mon MF 516, j'ai un IST Baba, deux IST, donc avec un Rhyme, une Scolder. Ça donne 24 MF pour dans mon Nightwing, une petite amulette de MF, des Nagels. J'ai pas de Chansey, je n'ai jamais trouvé. Immortal King, deux pièces, ça donne un bonus de 25 MF, donc je garde ça en attendant de trouver mieux, des charmes de MF, des charmes un peu un guide. Donc c'est à peu près mes items. Sur ce, pour commencer à tuer Mephisto, j'ai mon Phantom avec un Spirit. Donc voici la première page d'objets. Donc j'ai tout gardé identifié. Donc trouver des Venom Grip, qui est de la merde. Natalia Boot, des Grave Palm, Immortal Kill Build, Ethereal Silkweave, ce qui est vraiment mauvais. Des gants jaunes que j'ai décidé de garder, qui sont finalement pas très bons. S'il y avait eu de l'attaque speed, ça aurait été mieux. Des charms, Large Charm, j'ai pas vraiment trouvé d'autres meilleurs que ça. Une Boom Hoo. Un Coronet qui est pas très bon. J'ai ici un Storm Shield. Deux Sackettes. Antler, pas très bon non plus. Immortal King Mass. Une Brisa. Repulse Tool, quand même bon, malgré tout. Et ça, c'était la première page. Donc, j'ai trouvé un Arachnid. Vraiment, c'est bien. Une Talrasha Belt. Une Dungo. Perfect vitalité, mais très low dans le damage reduce. Une amulette jaune, donc ici un elemental skill très mauvais. Un ring jaune de merde. Et un autre ring jaune de merde. Une amulette unique. Nos Zakan relique. Nos Kozan relique. Vraiment, on s'en doutait pas que ça allait être ça. Hein? Des Jewels jaunes de merde. Une Ethenax 5 saquettes. Yeah, ça c'est bon. Un Tiamat Rubik qui est quand même de la merde. Un Charme de merde. Une Red Talon. Je l'ai ramassé, mais je sais pas pourquoi, parce que c'est de la crotte. Un Shaco 102, c'est très low. Ça, on peut monter jusqu'à 140. De merde. Donc des bottes Aldur. Ça c'est toujours pareil. Hein. Un Valkyrie Wings. C'est quand même bon. Natalia Shadow, Azure Wraith, c'est bien ça, je l'avais jamais trouvé encore, super. Un Wizard Spike, un autre Wizard Spike, un Enderiel Visage, très bon ça quand même, 8 de Life Stolen, 25 de Strain, quand même bien. Un Tiara de Barbare, quand même pas pire avec son 8 de Life Stolen. Circlet pas bon et un circlet pas bon. Donc voici ce que j'ai trouvé en toutes mes runs. Je vous souhaite une belle fin de journée. C'était JB. Bye.